Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Nous connaissons un avocat fait la Cour de cassation et le Conseil d'État qui comparaît pour adjointement. Maître Safari Mounoumé, avocat et baron de la Cour d'appel. Maître Olimba Diomandek Laurent, avocat au même barreau. Alors pour le revenu du PB, on ne devrait pas sortir d'ici malade. Voilà. La Cour se déclare donc saisie sur le mise contradictoire à l'égard de tous les présidents. Et cette cause avait été remise pour requérir un interprète, cette rapprochée, parce que l'un des présidents ne parle pas anglais. Alors, monsieur l'interprète est-il dans la salle? Oui, je suis là. Veuillez vous présenter à la table. Je réponds au nom d'accompagnement de William Joubert. Oui. Je suis un interprète par la Cour constitutionnelle dans la cause sous RP001. Interprète requis par la Cour constitutionnelle dans la cause sous RP001, je jure de remplir fidèlement la mission qui m'est confiée. Alors, oui. Comme intervenant, c'est maître Nkissi Inouva, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Faire un virement frauduleux de l'esprit de la loi. Vous avez vous-même sous votre yeux, monsieur le président honorable de la Cour, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette loi qui donne sens au fonctionnement de la Cour a interdit fondamentalement la constitution des partis civils. Il y a lieu donc de faire remarquer que cette intervention volontaire n'est qu'une autre forme de constitution des partis civils. Donc la conséquence en droit est la même. Pour la bonne administration de la justice, pour le respect des lois qui nous régissent comme État, vous allez devoir rejeter formellement cette constitution des partis civils voilés au travers ce qu'eux appellent l'intervention volontaire et vous allez faire droit. Nous avons dit. Vous nous aviez passé la procuration spéciale signée de la main de l'avocat qui venait précédemment de faire appel à leur compagnie, leur intervention volontaire. Nous nous rendons compte qu'elle n'est soutenue d'aucune disposition légale. Aucune. Nous voulons que la Cour constitutionnelle fasse application de la loi, rien que la loi, pour un procès équitable en matière pénale devant la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de constitution des partis civils. Et venir en intervention volontaire, nous nous demandons, c'est sur quelle base légale, c'est sur quelle disposition que nos amis tirent cette initiative. Il vous plaira donc de leur faire savoir que dans la pratique, lorsqu'il y a intervention volontaire, c'est pour sécuriser les intérêts civils. Et que de ce fait, la loi organique s'est prononcée sur cette question. Ils devront attendre que votre cour puisse juger. Et une fois que les prévenus seront condamnés, c'est alors qu'ils s'offrent à eux la procédure par laquelle ils peuvent réclamer ce qu'ils veulent. Lorsque vous prenez les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale, cette disposition énumère les personnes qui doivent figurer dans un procès pénal. Il s'agit du prévenu. Il s'agit du ministère public, il y a la partie civile même responsable, il y a les témoins et les renseignants. Et le secteur n'a pas, n'est-ce pas, ajouté une autre partie, intervenant volontaire soit-elle, que vos intérêts soient bousculés ou pas. Et le secteur s'est limité à ce niveau-là. Par conséquent, monsieur le président, par quelle procédure
doit-on venir pour soutenir une quelconque intervention volontaire. Au-delà du fait que l'article 106 de la loi organique portant fonction fonctionnement de la Cour constitutionnelle prohibe de manière hermétique la présence de la partie civile de l'aide-même de l'intervenant volontaire. Si elle estime être lésée dans ses droits, in fine de cet article, on donne la solution, c'est d'attendre en cas de condamnation pour aller saisir le juge compétent pour la réparation. Mais à ce sujet, votre nom, la jurisprudence de la Cour de cassation est claire. Ici, nous sommes dans l'affaire sous RPR 073, en 25 août 2014. Cette affaire avait opposé la société Panesa contre le ministère public. Voici la position de la Cour de cassation. S'agissant des intervenants volontaires, la Cour suprême de justice note que M. et Mme Chokomba Lalonde, Freddy Bompanza et consorts ont introduit des requêtes en intervention volontaire que dans la demande d'ouverture des débats introduite le 19 novembre 2015, les avocats soutiennent qu'il y a encore au-delà des intervenants volontaires ici présents, plus de 300 autres qui ont déjà déposé des requêtes auprès de leur cabinet Mukendi et Banza. Elle relève que le code de procédure pénale n'a pas prévu cette forme d'intervention qui n'est envisageable qu'en matière civile où l'intervention est une demande incidente par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé. Dans les cas d'espèces communes, vous serez d'accord avec nous que l'intervention volontaire n'est pas organisée en droit pénal congolais. Monsieur le Président, nous n'allons pas nous limiter. Sous RP 2277, et dans cet arrêt, votre honneur, il s'agit de M. Mukendi, qui n'était pas parti devant les premières instances. Mais il s'est fait qu'il avait été déjà condamné, les parties étaient déjà condamnées, mais lui avait intérêt dans ce procès. Il va relever le pouvoir en cassation. Mukendi, ici, dans les cas d'espèce, je sais que la République viendra vous dire évoquer cette jurisprudence. Mukendi, ici, est demandeur en cassation. Parce que par intervention volontaire, on sous-entend que vous n'avez pas été appelé dans une instance qui est pendante, mais pas organisée en droit de procédure pénale. La demande en dommage intérêt par un intervenant à l'occasion des accords sera rejetée. Monsieur le Président, très distinguément de la proposition, Monsieur le Procureur Général, devant les évidences, point d'appui. Que nous sécurisons, mais que votre cour est tenue de protéger. Votre honneur, au regard de cette doctrine aussi savante et constante. La question des postulations de dommages et intérêts à la condamnation pénale du point de vue des infractions reprochées au public. Alors, là où, devant les juridictions intérieures, comme la partie civile comparaît devant le juge pénal, il reste là à attendre qu'on lui demande de donner le montant de dommages et intérêts pour parler, ou bien il s'emploie aussi à contribuer à établir l'infraction qui est la base justement de la demande de dommages et intérêts. Si le prévenu, la victime ne contribue pas, c'est un des éléments qu'il peut donner qui peuvent convaincre la cour de condamner. Mais il ne va pas continuer. Moi, je dirais qu'on ne va pas les avoir. Parce que c'est un préalable. Il faut que les fractions soient établies. Et nous les avons entendus par le passé. À chaque fois que la partie civile a comparu, elle a eu un certain largement aussi sur les éléments constitutifs de l'infraction. Puisque toutes les parties doivent contribuer à éclairer la religion de la cour ou de la juridiction concernée. Nous pensons qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que dans notre constitution, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments juridiques internationaux comme le pacte international des droits civils et politiques. Quand on parle de procès équitable
Ça signifie que toutes les parties, y compris la victime, la partie civile, doit être jugée. Le professeur Nuzolo Bambi Lessa, qui s'est exprimé dans ces termes, le principe de la contradiction est valable en réalité pour toutes les parties au procès juridique des qualités procédurales. Ces parties impliquent uniquement que les parties en cause doivent disposer des mêmes moyens procéduraux, et doivent de manière égale avoir accès aux pièces qui sont soumises au juge. Parmi ces pièces, la partie civile n'est pas censée parler uniquement de la hauteur du préjudice, mais la partie civile est censée rencontrer les arguments du prévenu sur la constitution de l'État. C'est ça la première branche de l'argument. Et deuxième branche, on vous a dit que dans le cas de cause, la loi régissant la Cour constitutionnelle pose tout pose de manière claire la postulation civile devant les juridictions ordinaires. Alors, le procureur général tout à l'heure a commencé par dire qu'il ne contentait cela de la fixation de la loi, mais qu'à la fin, au nom du principe du procès équitable, jugé à l'article 14 du pacte, on l'a dit, c'est droit civil aujourd'hui, on pouvait entendre vos postulations. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces différents mots? Merci. Mais je ne sais pas s'il est nécessaire de répondre à ce moyen, parce que cet article prohibe plutôt la constitution de la partie civile. Tel n'est qu'un État en espèce. Ici, la République est venue plutôt en intervention volontaire. Alors, je vais maintenant à la deuxième rubrique, celle de savoir si l'intervention volontaire est autorisée en matière pénale. Mais ils ne vous ont pas dit, ils ne vous ont pas cité une seule disposition légale qui interdit l'usage de l'intervention volontaire en matière pénale. Parce qu'ici, c'est le moment de dire le droit et le vrai. Nous avons l'avantage d'être devant le juge qui est aussi le juge de l'interprétation. Nous ne sommes pas venus ici à ce procès pour consommer des perversions d'interprétation légale. La loi a voulu qu'en matière pénale, l'interprétation soit stricte. Nous sommes aussi déçus par la perte de notre argumentaire du député. Monsieur le Président, le monde entier nous regarde. Et si quelqu'un vient, par hasard juridique, prétendre qu'il y a un vide juridique et a créé en vous le pouvoir de régulation, c'est qu'il vient tantonner à ce niveau des procès. Moi, je ne viens pas tantonner à autour. Mais j'ai entendu un jour qu'on dit qu'on va évaluer la grandeur de la Cour dans sa production et dans les conditions que la Cour prend. Mais la beauté du procès, c'est le contradictoire. Mais dans un procès pénal, le contradictoire, c'est un préjudice. C'est aussi élémentaire que ce sont des soutiens contre le ministère public. Le ministère public ne vient pas se chercher de pays. Les juges constitutionnels n'est en effet respecté que dans la mesure où il incarne la bouche de la Constitution, qui contient la proclamation et la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Mais il n'y a pas un vide. Il n'y a pas un vide. On vient ici en tantonnement parce qu'on fait allusion à une jurisprudence, quoi qu'ils auraient, mais qui n'ont pas raison à l'argumenter. C'est ça la vérité du droit pénal constitutionnel qui n'est pas connu jusqu'à l'âme. L'article 106, j'ai la noble émission de la lire. Parce que j'estime qu'il y a problème de lecture et de compréhension grammaticale avant que ça dévoile les questions de droit. La constitution des partis civils n'est pas recevable devant la Cour. Parce qu'ici, il y a même un problème sémantique. Et pour vérifier, il faut voir la finalité de cette constitution des partis civils. Et la demande de celui qui se réclame comme intervenant volontaire.
Mais en quoi? La beauté du droit, c'est dans la continuité. De reste, moi, à mon maître, quand le comité est dit, même si vous êtes dans la fausseté, le problème en vous, c'est la cohérence. Mais ici, vous entrez dans le droit, le ministère public vous dit, non, écoutez, c'est bien dit dans l'article 6, mais quand même, à un moment donné, nous pensons que. Il y a le pacte international. Mais il y a la hiérarchie des normes que vous enseignez. Tout comme la constitution des partis civils sont interdites devant la Cour des séances. Alors, il prie la partie République démocratique du Congo de disposer de la marque. Cette dérive-là. Et nous avons encaissé.
Mais maintenant, nous voyons qu'on nous a perdu 4 heures. En tout cas, pas pour grand chose, si nous commençons par la fin. Cette histoire de contrat, je ne sais pas, il y a le cours des investissements, tout ça. Mais nous avons ici au dossier un contrat signé par M. Robert et par les membres du gouvernement. Et pour l'exécution d'un marché public, le moment venu, nous allons donner les détails. D'ailleurs, il faut que nous donnions les détails des conditions d'exécution d'un marché public. Cette affaire ne peut être vraiment bien comprise que lorsqu'on a détaillé les conditions légales de signature et d'exécution de marché public. Mais l'autonomie du droit pénal, est-ce qu'on autorise que il y a eu des clauses compromissoires et qu'à partir de ce moment-là, les tribunaux en matière pénale ne peuvent plus statuer. Moi, ça, c'est quelque chose qui est rien nous écoeure. Non! Cette disposition se trouve dans le contrat. Ne se fait dans l'exécution de leur obligation contractuelle. Mais lorsqu'ils ont enfreint la loi pénale, une fois qu'ils ont enfreint la loi pénale, mais c'est l'autonomie du droit pénal, on doit pouvoir l'exécuter. Mais on ne peut pas s'amuser avec un dossier comme celui-ci. Un pays qui, comme le nôtre, qui va débourser plus de 300 millions de dollars. Nous en avons combien pour en débourser autant? Et il faut que les gens viennent s'amuser autour de ça. Ça, c'est vraiment s'amuser, ça. On a parlé de problèmes de compétences. Mais nous sommes ici devant 3 personnes, dont 2 sont bénéficiaires de privilèges de l'Église. Et ces personnes ont commis des infractions au moment où elles étaient en fonction. C'est ça qui détermine la compétence de la Cour, suivant les articles qu'ils ont lus eux-mêmes. Est-ce que c'est à tout moment qu'il y a ce que nous étonnons d'ailleurs dans notre pays du fait qu'en France, vous allez voir un ancien chef d'État comparaître devant un tribunal correctionnel. Est-ce que cela arrive chez nous? Et nous nous plaignons de ça, qu'il faudra qu'on abandonne un peu ce mauvais système de protection des malfaiteurs. On a dit et souligné plusieurs fois. Au moment de la commission des faits, cette compétence personnelle est cristallisée. Les infractions ont été commises pendant que l'autre, même pour quitter, ne s'était pas la peur, parce que pour tous les autres prévenus, les deux autres prévenus, c'est en leur qualité de co-auteur ou de complice que nous poursuivons. C'est la Constitution. Tout ce qu'on nous raconte sur les écrits des Baobabs et de tout ça, qu'est-ce que ça vient faire par rapport au terme clair de la Constitution? Votre compétence est liée à celle des personnes bénéficiaires des privilèges de juridiction au moment de la commission des faits. C'est ça. On a dit quelque part, il fallait alors le président. Oui, on dit pas le président de la Chine. Si, il est encore en fonction au moment où la décision est rendue, mais quand il n'est plus en fonction. Donc vous voyez, on a dit beaucoup de choses, mais il y a eu une réelle confusion entre la notion de compétence personnelle et la notion d'immunité de conscience. Si on vous dit, vous saviez que M. Matata est un premier ministre, mais vous, pour obtenir l'autorisation de le poursuivre, vous allez présenter sa qualité de sénateur, vous demandez qu'on lève les choses. C'est un énorme match.
Alors pourquoi on est en train de faire des cogitations avec des termes injurieux à l'égard du ministère public dès leur travail? Il n'y a personne qui a voulu faire allusion à cet article censé de parce qu'ils l'ont su dangereux pour eux. Ils n'ont pas voulu le lire. Mais c'est ça, c'est cet article qui nous a autorisé et c'est régulier que nous vous avons saisi. Donc, monsieur le président, vraiment, c'est dommage. On a dit tout un tas de choses, mais nous savons que vous êtes des hommes responsables et que par ailleurs, vous avez la connaissance du droit. Nous avons présenté des textes en vertu desquels nous vous avons saisi. Le texte qui nous autorisait à nous saisir pendant la période où les prévenus ne sont pas pour examiner cette cause et ensuite de recevoir notre réponse. Je dois vous dire en toute sincérité que j'apprécie la qualité et la profondeur des arguments qui ont été développés par les collectifs de mes avocats. Étant donné que, du point de vue de l'incompétence de votre haute institution, dont le caractère pédagogique et souverain a été évoqué avec beaucoup de maîtrise, notamment par le professeur Nyabirung, mais autant aussi sur l'irresponsabilité de l'ensemble des chefs d'accusation. C'est ça, cela étant dit, monsieur le juge président, honorable, je m'allie totalement aux arguments qui ont été avancés par mes avocats. Mais si cela leur convient, ils peuvent peut-être réagir, si votre haute cour le permet, aux explications qui ont été données par le procureur général. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pépini, compétence, les arguments qui ont été développés, et sur l'irresponsabilité que mes avocats ont avancé. Donc je me rallie entièrement. Je ne soustrais strictement rien par rapport à ce qui a été dit. Non, je vous remercie. Vous remercie. I came to the RCC because I was under the impression and I was hoping that we can negotiate a settlement. Et j'étais venu ici parce que j'avais l'impression qu'on devait négocier pour un certain accord with the government, avec le gouvernement to continue our investigation after our investment, pour continuer notre investissement. So that was my first desire. C'est ça mon premier désir pour être ici en RDC. That's why I'm here. C'est pourquoi je suis ici. I'm not a criminal. Je ne suis pas un criminel. I'm an investor. Je suis un investisseur. I take this country close to my heart. Je prends ce pays vraiment dans mon cœur. When I came here 3 or 4 weeks ago, si je suis venu ici il y a trois semaines, I was told I'm a free man. Je suis venu comme un homme libre. I had my mother's 80th birthday party. My mother, she became 80. Ma mère a 80 ans. So after the last case, I went to go to South Africa. Après ces cas, je dois aller en Afrique. I already booked my ticket back. Je dois réserver mon billet de retour. They arrested me at the airport. On m'a arrêté à l'aéroport. And took my passport away. On a pris mon passeport. To this day, I don't have my passport. Et tout ce qui était, je demande si on peut vraiment me redonner le passeport. So I came here. Je suis venu ici. Vous avez fait en bonne foi work with the government, pour travailler avec le gouvernement, to look after my investments and to restart it, pour rechercher mon investissement et recommencer ça. That was my heart. C'est ça ce qui était dans mon cœur. If the government doesn't want to do that, si le gouvernement ne veut pas que je fasse ça, I will have no choice but to go to Geneva. J'aurai un autre choix d'aller à Genève. Thank you.
C'est ça son dernier mot. Décision. Up to now, jusqu'à là, c'est ça son dernier mot. Très bien. On dit qu'il se rallie à tout ce que ses avocats ont dit. Okay. Et il accepte tout ce que ses avocats ont dit pour son compte. Très bien. Pour se prononcer dans le délai de la loi qui est de 8 jours. Merci. 8 jours, ça tombe vraiment comme ça. Il y a une petite demande de vous mettre. On ne prend pas la parole. Sera rendue dans les 8 jours, soit exactement le 15. Voilà. Plus rien n'est en rôle, l'audience est levée. Merci. Mission TV, le miroir du monde.